5 choses à savoir avant de te mettre dans une relation sérieuse. Ok, frère? Tu n'as jamais été dans une relation sérieuse. Tu as toujours eu les petites relations, genre les relations d'un soir ou les relations de buzz, les relations sex friend. Tu n'as jamais eu une vraie relation où tu mets du temps avec une femme. Vous essayez d'avoir des projets, vous essayez de construire quelque chose. Mais aujourd'hui, tu aimerais avoir ce genre de relation. Mais il y a des choses que tu dois savoir avant de te mettre dans une relation sérieuse. Si tu n'es pas au courant de ces choses, crois-moi frère, tu vas expérimenter un stress, une confusion. OK? Tu seras perdu dans cette relation sérieuse. Mais une fois que tu es au courant de ces choses, tu gères mieux les choses, tu as le contrôle, tu évites les stress inutiles, tu évites une confusion inutile. Ok, frère? Donc, il est important pour toi de connaître ces 5 choses avant de te mettre dans une relation sérieuse. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like, ok? Et surtout, partage cette vidéo. La première chose que tu dois savoir avant de te mettre dans une relation sérieuse, il faut déjà savoir qu'il n'y aura jamais de 50-50 dans ta relation. Ok, frère? Il n'y a jamais de 50-50 dans une relation. Si tu penses qu'en te mettant en couple, même si tu tombes sur une femme bien, il n'y aura jamais de 50-50. Et il n'y a pas de 50-50 dans une relation. L'une des premières raisons pour laquelle il n'y aura jamais de 50-50, c'est parce que dans une relation, il y aura toujours une personne qui aimera plus que l'autre. Ok, frère, il y aura toujours une personne qui aimera plus que l'autre. Il y aura toujours une personne qui demandera plus que l'autre. Il y aura toujours une personne qui recevra plus que l'autre. Il y aura toujours une personne qui se plaindra plus que l'autre. Dès l'instant où, dans une relation, il y a une personne qui aime plus que l'autre, la balance devient fausse. Ça fausse la balance. Ok? Il y aura forcément une personne qui sera toujours là et l'autre sera toujours là. Ok, frère? Donc, ne rentre pas dans une relation avec l'idée que les choses seront 50-50. Et la deuxième raison pour laquelle il n'y aura jamais de 50-50 dans une relation, c'est parce que les femmes demandent plus que les hommes. Les femmes attendent des hommes plus que les hommes attendent des femmes. Elles attendent plus les choses des hommes que les hommes attendent des femmes. Vous connaissez les critères des femmes. Vous connaissez. Alors que quand un homme se met en couple, tout ce qu'il attend d'une femme ou tout ce qu'il est censé attendre d'une femme, c'est juste le respect et la loyauté. Quand je parle de loyauté, je parle de fidélité. Ce sont les deux choses que les hommes attendent des femmes. Mais les femmes, la liste est longue. Vous-même, vous savez, vous pouvez énumérer dans les commentaires. Vous savez. Donc, il n'y aura jamais de 50-50 avec une personne qui attend plus sur l'autre. Jamais. Donc, si tu penses déjà qu'en te mettant dans une relation sérieuse, les choses vont être 50-50, crois-moi, frère, il n'y aura jamais de 50-50 dans une relation. Jamais. Il y aura toujours une personne qui donnera plus que l'autre, qui recevra plus que l'autre, qui se plaindra plus que l'autre. Nous avons tous déjà été amoureux. Quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on fait? On crée du temps pour la personne. On trouve du temps pour la personne. On sacrifie pour la personne. On donne. Parfois même, on donne sans réfléchir. Parce qu'on pense que c'est la bonne. Mais par contre, l'autre, vu que la personne n'est pas très amoureuse, la personne n'est pas vraiment à fond sur vous, qu'est-ce que l'autre fait? L'autre reçoit seulement. L'autre reçoit. L'autre demande. Parfois même la personne avec qui tu es en couple ne demande pas. Mais parce que c'est toi qui aimes plus que l'autre, tu te mettras à donner. Et c'est la personne qui aime le plus qui se plaint. Parce que en donnant, tu attends aussi quelque chose en retour. Il ne peut pas avoir de 50-50 quand vous êtes en couple avec une personne qui attend plus de vous. Et les femmes attendent plus des hommes que les hommes attendent des femmes. Et c'est normal, c'est leur nature, elles sont comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit leur donner tout ce qu'elles veulent. Non. Tant que les femmes attendront toujours des choses, attendront toujours plus des hommes, il n'y aura jamais de 50-50. Tant que dans une relation, il y aura toujours une personne qui aimera plus que l'autre, il n'y aura jamais de 50-50. Il y aura toujours une personne qui essaiera d'arranger les choses dans la relation, pendant que l'autre va un peu s'en foutre. La deuxième chose que tu dois savoir avant de te mettre dans une relation sérieuse,
N'écoute pas ce qu'une femme te dit. Observe son comportement, observe ses actions. Ok frère, n'écoute jamais ce qu'une femme te dit. Observe son comportement, regarde ses actions. Elle te dira qu'elle veut un mec bien, mais une fois qu'elle a ce mec bien, elle s'ennuie du mec bien. Yeah. Elle s'ennuie. Ne deviens jamais le mec qu'elle veut. Reste le mec qu'elle désire. Reste ce mec-là. Ne deviens jamais le mec qu'elle veut. Dès l'instant où tu deviendras ce mec, elle va commencer à s'ennuyer. Yeah. Elle te dira, je veux un mec présent, attentionné, qui fasse ci pour moi. Une fois que tu deviens ce mec, elle s'ennuie. Mais quand tu deviens le contraire de ce mec, là, elle te calcule. Donc, ce n'est pas tout ce que ta meuf veut que tu dois donner. Parfois, quand elle te dit, elle veut ça, ne donne pas. Parfois, elle va se lever le matin, elle va te bouder. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle te boude. Quand une femme te dit, elle veut ça, regarde son comportement, regarde ses actions. N'écoute pas ce qu'elle te dit, regarde ce qu'elle fait, regarde comment elle se comporte face à ses paroles, face à ses propos. Ok les gars, ça c'est un truc que vous devez savoir. Les femmes sont des êtres imprévisibles. Les femmes parlent sous l'effet des émotions. Quand une femme se sent à l'aise avec toi, elle te dira « je ne vais jamais te quitter ». Je ne vais jamais te quitter. Je ne me vois pas avec une autre personne que toi. Mais une fois que ces émotions-là passent, elles disent autre chose. Parce que les émotions sont comme des vagues. Ça vient un moment, et après ça repart. Quand ça repart, elle te raconte autre chose. Et tu dois être au courant, conscient de ça. Quand je te mets en couple avec une femme. Parfois, quand la femme parle, il faut seulement dire j'ai compris. Mais ne fais pas toujours ce qu'elle te dit. Ok, frère. La troisième chose que tu dois savoir, la femme que tu veux te fera plus souffrir que la femme qui te veut. Je répète, la femme que tu veux te fera plus souffrir que la femme qui te veut. Ok? La femme que tu veux te cassera plus les couilles que la femme qui te veut. C'est toujours la personne qu'on veut qui fait souffrir. Mais la personne qu'on ne veut pas, la personne qu'on ne calcule pas, c'est cette personne-là qui est prête à faire de nous l'une de ses priorités. Yeah. La femme que tu veux, tu feras tout pour la garder. Mais la femme qui te choisira, tu feras des choses pour lui faire plaisir. C'est différent de faire les choses pour une personne juste pour faire plaisir, que de faire les choses pour une personne pour la garder. Ça veut dire que la femme que tu veux, tu vas constamment te battre pour la garder. Mais celle qui t'a choisi, c'est elle qui se battra pour toi, pour te garder. Tu feras seulement les choses pour elle, juste pour lui faire plaisir. Mais celle que tu veux, tu feras des choses pour la garder. Tu seras constamment dans un stress, qu'elle peut partir à n'importe quel moment. Et si elle est consciente de ça, elle te fera chier. Parce que c'est toujours la personne qu'on veut qui nous casse plus les couilles que la personne qui nous veut. Tu es plus heureux avec une femme quand c'est elle qui t'a choisi. Ça, c'est un principe que vous devez accepter, les gars. Elles nous choisissent. Et tu es plus heureux quand tu es en couple avec une femme qui t'a choisi. Mais tu es plus malheureux quand tu as forcé quelque part. Tu as forcé, on t'a accepté par pitié. On t'a accepté malgré. Bro, c'est là où, en fait, quand tu es en couple avec une femme que tu as peur de perdre, quand tu es en couple avec une femme que tu as choisie, vous ne faites l'amour que quand elle veut. Mais quand tu es en couple avec celle qui t'a choisie, même si ce n'est pas vraiment ton genre, mais c'est elle qui t'a choisie, bro, tu es plus heureux. Tu es plus focus sur tes objectifs. Tu es plus productif au boulot. Tu es productif dans toutes tes activités. Mais quand tu es en couple avec celle que tu as tout fait pour avoir et que tu fais toujours tout pour garder, bro, un moment tu es stressé. Un moment tu pars au boulot, tu vas te demander si elle est vraiment à la maison. Un moment tu vas te demander si elle est vraiment au boulot. Une fois qu'elle est consciente que tu as peur de la perdre, bro, ça devient un désastre émotionnel dans ta vie. En fait, tu n'es pas tranquille. Mais quand c'est toi qu'on choisit, quand tu es en couple avec une femme qui t'a choisi, bro, tu es en paix. Tu es en paix. C'est pas qu'elle ne te manquera jamais de respect. Vous devez comprendre une chose, les gars. Toutes les femmes manquent de respect. Mais toutes les femmes ne sont pas irrespectueuses.
toutes les femmes ne sont pas impolies, mais toutes les femmes manquent de respect. Certaines le font en silence, certaines le font en parole, certaines le font en action. Quand on dit qu'une femme est irrespectueuse, impolie, ça veut dire qu'elle te manque continuellement de respect. C'est déjà incarné dans son comportement. C'est dans sa manière de penser, dans sa manière. C'est que de nature, tu as l'impression qu'elle est née impolie, qu'elle est née irrespectueuse. Mais une femme qui te manque de respect en passant, c'est des choses qui arrivent. Je ne dis pas ça pour que vous tolérez le manque de respect. Mais c'est juste pour vous dire que quand tu es en couple avec une femme, que tu as tout fait pour avoir et qu'aujourd'hui tu fais tout pour la garder, le manque de respect va être fréquent. Mais quand tu es en couple avec une femme qui t'a choisi, il peut arriver qu'elle te manque de respect, mais plus tard, elle reviendra te dire qu'elle est désolée. Parce que c'est elle qui a peur de te perdre. C'est elle qui a tout fait pour t'avoir. Ok frère, toutes les femmes manquent de respect, mais toutes les femmes ne sont pas irrespectueuses. Toutes les femmes ne sont pas impolies. Quand on dit qu'une femme est irrespectueuse, ça veut dire que celle-là, elle te manque de respect continuel. Même dans sa manière de parler, tu peux sentir qu'elle ne te valorise pas. Elle ne te valorise pas. Mais une femme qui t'a choisi et qui a essayé de se révolter, bro, elle a peur de te perdre. Elle revient à te dire, elle est désolée. Elle est désolée. Parce que c'est elle qui t'a choisi. C'est elle qui a tout fait pour t'avoir. Elle se sent chanceuse de t'avoir. Mais quand tu es en couple avec une femme dont c'est toi qui te sens chanceux de l'avoir, bro, tu vis un calvaire. Et ça, tu dois être au courant de ça. La femme que tu veux te fera plus souffrir que la femme qui te veut. La quatrième chose que tu dois savoir, le game ne termine pas. Beaucoup de personnes pensent que le game, c'est seulement quand tu es célibataire, tu tombes sur une meuf, fouille, moi je te suis. Non les gars, même en couple, il y a le game. Les femmes testeront les hommes à vie. Les femmes ne cesseront pas de tester les hommes. Elles vont toujours tester les hommes. Les femmes vont tester les hommes pendant la drague, dans la relation et après la relation. Elle va te tester pendant la drague pour voir si tu vas lui courir après. Pour voir si tu la veux vraiment. Yeah. Pour voir si tu vas insister. Pour voir si tu vas la supplier. Ou pour voir si tu es sûr de toi. Si tu peux avoir mieux qu'elle. Elle va te tester. Elle va te tester dans la relation pour voir si tu es le mec que tu as dit que tu es pendant la drague. Elle veut voir si tu es capable de la recadrer quand elle essaiera de dépasser les limites. Elle veut voir si tu peux partir à n'importe quel moment. Elle va te tester. Elle va te tester après la rupture pour voir si tu vas la supplier quand elle te dira que c'est terminé sous l'effet de la colère. Yeah. Elle va voir si tu seras capable de passer à autre chose si elle te dit que c'est terminé sous l'effet de la colère. Parfois, elle peut te dire juste toi et moi c'est terminé pour voir comment tu vas réagir. Pour voir si tu vas te morfondre. Bro, le game ne termine pas. Quand tu es en couple, hein, chacun essaiera toujours d'avoir le dessus sur l'autre, d'avoir le contrôle sur l'autre. Pendant la drague et pendant la relation. Yeah. Et dans la relation, c'est toujours celui qui chie, qui est en position de faiblesse. Voilà pourquoi les femmes créent toujours les problèmes juste pour que tu merdes, pour qu'elles prennent le dessus. Pour qu'elles prennent le dessus. Parce qu'elles savent que si tu gaffes, c'est elle qui a le dessus. Et tu vas devoir faire des choses pour t'excuser, pour te faire pardonner. Ok les gars, le game ne termine pas. Le game est jusque dans la relation. Dans la relation, chacun se bat pour avoir le dessus sur l'autre, pour avoir le contrôle. Yeah. Mais les femmes, elles le font de manière subtile, de manière douce, parce que c'est ça leur force. Elle ne peut pas faire la manière forte avec toi. Sauf si elle est du genre à avoir un fort caractère, elle est imposante, et que toi tu es mougou, tu es faible. Non. Mais quand une femme est face à un homme fort, là maintenant elle utilise la manipulation, la douceur, la tranquillité pour avoir le dessus. Les gars, le game ne termine pas. Arrêtez de penser que parce que vous êtes en couple, que vous n'êtes plus dans le game. Non, vous êtes dans le game. Mais le game, dans une relation, c'est différent. Ok les gars, si elle est sérieuse, elle ne te trompera pas. Mais elle fera toujours tout pour avoir le contrôle. Elle fera toujours tout pour avoir le dessus sur toi. Pour avoir les rênes de la relation. Mais elle est là, elle ne part pas ailleurs. Il y a aussi ce genre de game là où tu es en couple avec une meuf. Elle te trompe, elle fait ce qu'elle veut, bro. Le game ne termine pas.
Ok les gars, arrêtez de croire que parce que vous êtes en couple que le game est terminé. Les femmes testeront les hommes jusqu'à la fin. Elles testeront les hommes pendant la drague, dans la relation et après la relation, genre pendant la rupture. Ok frère, et la dernière chose que tu dois savoir avant de te mettre en couple, dans une vraie relation sérieuse, aucune femme ne t'acceptera telle que tu es. Ok frère, je répète, aucune femme ne t'acceptera telle que tu es. Ok, n'oubliez pas que vous dealez avec des êtres hypergames. Les femmes sont hypergames de nature. Yeah. Si tu n'as rien à lui apporter, elle ne foutra rien avec toi. Si tu n'as rien de beau à lui offrir, elle n'aura rien à foutre avec toi. Yeah. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. La seule femme qui t'acceptera telle que tu es, c'est ta maman, mon frère, c'est la daronne. C'est la seule. Ta daronne, peu importe l'âge, tu perds ton boulot, tu n'arrives plus à fixer ton loyer. Elle va t'appeler, elle te dira, faut venir à la maison, il y a la place. Mais ta meuf, tu perds ton boulot. 90% des chances, elle te quittera. Oui, elle te quittera. Si elle t'aime, elle va peut-être supporter un mois. Mais elle va voir que c'est trop. Tous les jours, tu es à la maison, tu ne fous rien, tu ne te cherches pas, rien. Elle va partir. Parce qu'elle aussi, elle a ses rêves. Ok, frère, arrête de te dire que toutes les femmes sont comme ta daronne. Non, non, non. Toutes les femmes ne sont pas comme ta daronne. Non. Peut-être tu as grandi avec une daronne douce, une daronne polie, une daronne gentille. Ok? Elle t'a élevée avec toute la tendresse. Tu as vu comment ta mère respectait ton père. Bro, ne pense pas que toutes les femmes sont comme ta mère. Non, bro. C'est un peu l'erreur que certains hommes font. Les femmes font les choses pour une raison. Elles acceptent les hommes pour une raison. Elles aiment pour une raison. Et des êtres comme ça ne peuvent pas vous accepter pour ce que vous êtes. Si tu n'as rien, elle n'aura rien à faire avec toi. Donc avant de te mettre en couple, c'est des choses que tu dois savoir. On ne se met pas en couple juste pour se mettre en couple, les gars. Si tu ignores ces choses, tu vas voir que tu seras toujours en train de te battre avec les femmes. Mais quand tu comprends ces choses, il y a des choses auxquelles tu ne prêteras pas attention. Yeah. Je veux une femme qui m'aime pour qui je suis. Je veux une femme qui va m'aimer pour ce que... Non, bro, aucune femme ne t'aimera pour qui tu es. Toutes les femmes t'aimeront pour ce que tu pourras leur apporter. Ok, frère. Ouais, genre, je veux une femme loyale. Quand elle dit quelque chose, elle fait. Non, bro. Les femmes elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elle va te ghoster aujourd'hui, 2 semaines plus tard. Elle revient. Elle a l'impression qu'elle ne t'a pas bien vu au départ. Maintenant, elle voit que, oh, mais il est bien, il n'est pas mal. Parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Ok, frère. Donc, mets-toi en couple en étant au courant de toutes ces choses. Mets-toi en couple avec tout. Ne pars pas en couple avec la tête, tu ignores comment les femmes fonctionnent. Non, frère. La plupart des hommes qui se battent avec les femmes dans leurs relations, c'est parce qu'ils ne savent pas comment les femmes fonctionnent. Ils ne savent pas. Ok, frère. Mais tant que tu es abonné ici, je pense que tu as déjà une certaine sagesse sur la psychologie féminine. Voilà pourquoi je ne vous parle pas seulement du game, mais je vous parle aussi du fait d'être en relation, du fait d'être en couple. Parce que tu peux mieux gérer le game, mais quand tu es en couple, c'est autre chose. C'est autre chose. Ok, frère. Donc, avant d'entrer dans une relation sérieuse, voilà les 5 choses dont tu dois être au courant. Si tu n'es pas au courant de ça, bro, tu vas te retrouver à te battre dans ta relation, à partir de meuf en meuf, parce que tu ne comprends pas comment les femmes fonctionnent. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.